Après plusieurs jours de polémique quant au thème abordé lors du grand débat national, Emmanuel Macron a estimé dans sa lettre diffusée dimanche 13 janvier qu'il n'y avait pas de questions interdites. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, avait été très clair, le mariage pour tous, la peine de mort et le droit à l'avortement ne seront pas au menu du grand débat national organisé dans toute la France à partir du mardi 15 janvier. Dans la lettre qu'il a adressée aux Français dimanche 13 janvier, Emmanuel Macron toutefois a estimé qu'il n'y aura pas de questions interdites lors du grand débat national auquel il invite le plus grand nombre de Français à participer. Nous ne serons pas d'accord sur tout, c'est normal, c'est la démocratie. Mais au moins montrerons-nous que nous sommes un peuple qui n'a pas peur de parler, d'échanger, de débattre, écrit le président de la République. Mais Emmanuel Macron rappelle néanmoins les quatre thèmes de ce grand débat national, lire la suite sur RTL pour aller plus loin à lire aussi sur RTL.